Hey, bienvenue à tous. Ça y est, il y a du monde. Salut! Salut Seb, 59-750. Alors dis-moi, c'est quoi ça? C'est le Nord, 59-750? Ici, c'est le pôle Nord. Un peu frisqué ce matin, hein. Ok, super. Ravi de te voir ici, ami du Nord. Moi, c'est le Pas-de-Calais. Ouais, totalement voisin, effectivement. Bon, je parle pas ch'ti, hein, mais c'est juste pour me faire comprendre du plus grand nombre, hein. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois qu'il y a déjà 4 personnes connectées, c'est bien. Donc c'est Sébastien de la chaîne Verpal. Aujourd'hui, un petit direct pour vous montrer mon atelier, puis aussi les projets en cours. Salut Pollux! Donc je sais qu'il y en a pas mal devant leur télé, hein, pour cause de finale de tennis. Hein, moi-même j'ai regardé le début tout à l'heure. Mais je vous remercie d'être arrivé sur la chaîne en tout cas. Et Pollux, tu viens de où? Tu viens de quel coin toi? Ah ben Thiel que je connais bien Pollux. Connais très très bien.
Alors, petit tour du projet en cours. Alors, c'est une prochaine vidéo qui arrivera, bah voilà, dans quelques jours, quelques semaines. Je suis en train de me faire là un banc de scie, hein, pour ma scie à onglet. Parce qu'auparavant, je vais vous le montrer d'ailleurs. Auparavant, j'avais un banc de scie comme ça. Un banc de scie portable, hein, vous voyez, avec des pieds qui se déplient. Voilà, vous avez des rallonges assez impressionnantes. Donc c'est bien quand on bosse à l'extérieur, mais dans un atelier, en fait, moi, c'était pas super pratique parce qu'ici, c'est pas très grand. Et puis, ben, on peut rien ranger en dessous. Enfin bon, voilà, c'était pas top. Donc j'ai eu la chance. Se bloquer. J'ai eu la chance de récupérer différentes planches, voilà, de plancher, hein, c'est de l'aggloméré 19 mm, des morceaux de meubles, voilà, ça c'est un ancien lit en fait, voilà. Donc j'ai fait ce meuble et vous le verrez lors des prochaines vidéos totalement en bois de récup. Donc c'est hyper solide, hein, même si c'est de l'aglo. En fait, j'ai fait une fixation collée et clouée avec le clouard pneumatique. Voilà, ça tient super bien. Donc aujourd'hui, j'aurais voulu voilà, vous montrer, si vous voulez bien, comment j'ai réalisé là ce guide, hein, pour la scie. Effectivement, ce qui est intéressant quand vous avez une scie comme ça pour couper des longueurs bien précises, c'est d'avoir un guide sur lequel vous allez venir positionner votre morceau de bois. Donc un guide avec une rainure qu'on appelle une rainure en T. Donc en fait, la rainure en T, vous trouvez ça, ce type de guide, ça existe, hein. Il y a Craig, par exemple, une marque américaine qui fait ça, un super guide, mais qui coûte une fortune. Donc moi je me suis dit j'allais essayer de faire ce guide tout seul comme un grand. Donc vous avez, voyez, le poussoir, un hein, petit chien avec une tige filetée, un boulon fileté en fait, hein, classique, et qui vient s'insérer donc ça dans cette rainure. Merci Bolux pour le match. Oh, ça va finir en 5-7 cette histoire. Alors, comment réaliser là cette petite rainure en T? Alors vraiment tout simplement qu'avec du bois de récup. Alors on part avec donc un morceau d'aggloméré, vous voyez, hein, là j'ai fait 10 cm, qui va nous servir de fond en fait. Et sur cet aglo, après je vais venir donc y fixer des bandes de parquet stratifié. Alors c'est du vieux parquet que j'avais encore dans un coin. Alors, on a toujours des chutes, hein. C'est un bois très très dur. C'est très, il y a énormément de résine. Donc à l'origine, c'est une planche de parquet stratifiée classique. Que j'ai découpé en bandes. Voilà.
Est-ce que tout le monde voit bien? Alors dites-moi, est-ce que vous comprenez le principe? Est-ce que vous avez des questions? Ok, c'est top. Alors ces bandes là, de stratifier, bon je vais pas vous le faire aujourd'hui, je vais pas les fixer aujourd'hui parce que je le fais au cloueur pneumatique, ça va faire trop de bruit pour vos petites oreilles. Donc en fait le principe, c'est qu'on va faire deux étages. Vous prenez votre tige filetée, hop, je vais me rapprocher là, pour que tout le monde puisse bien voir. Et pour fixer le premier étage, vous allez vous aider, hein, du boulon. Il faut que le boulon il puisse coulisser tout en restant bloqué à l'intérieur. Voyez le principe? Et je fixe donc, je mets parallèlement ces deux premières planchettes, pour que mon boulon. Bon, a priori, c'est revenu. Alors, y a quelqu'un? Alors, est-ce que ça marche? Alors, c'est bon? Ça y est, c'est reparti. Alors, Alain, t'es encore là? Thank you.
Salut les amis, de retour. Alors n'ayez pas peur, allez-y. Signalez-vous qui est encore présent là. Désolé de cette petite coupure, on remercie Free hein, avec ses connexions de merde. Et ouais, c'est les aléas, voilà, comme disait Guilux, les aléas du direct. Alors en direct de l'atelier aujourd'hui pour vous présenter mon dernier tuto, donc la création de ce meuble, de ce banc-ci pour ma scie à onglet. Donc c'est totalement réalisé en agglo, en planche de récupération ici des anciens meubles. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous montrer un petit peu le principe de ce meuble. Ici du guide que j'ai pu réaliser, donc en faisant une rainure en T, donc une rainure en T sans machine. Donc cette rainure en T, je l'ai fabriquée avec du bois de récupération. Vous avez ici de l'agglo de 19 mm. Et puis des planches ici de parquet stratifié. Voilà. Du stratifié que j'ai découpé en petites planchettes. Bienvenue à tout le monde. C'est Seb pour la chaîne Verpal. Bienvenue dans l'atelier. Ouais, vive les palettes, Alain, t'as raison. Donc j'ai baissé au niveau qualité, je sais que c'est pas terrible, mais l'idée c'était d'être en direct avec vous, hein, puisque le débit ici et encore plus dans l'atelier est vraiment très très faible. Donc pour éviter que ça coupe, j'ai diminué un petit peu la qualité. Oh, c'est pas bien grave, hein. L'idée, c'est qu'on se retrouve ensemble un dimanche matin à bricoler. Donc alors pour faire ce guide de Banksy, j'ai utilisé cette planche pour le fond. Elle fait à peu près 10 cm, bon, peu importe. Et pour réaliser donc la rainure en T, j'ai découpé ces deux morceaux de parquet stratifié. Et qu'il vous le suffit en fait de mettre à espace régulier. Alors, pour bien me faire comprendre, en fait, la rainure en T, elle va se faire en deux étages. J'aurai deux étages ici de petites planchettes. L'écrou qui va tenir mon guide, donc vous espacez les planchettes, vous les fixez de telle manière que l'écrou puisse coulisser librement, mais sans pouvoir tourner. Voilà. Donc je le fixe, hop, il coulisse, mais il peut pas tourner. Comme ça, vous allez le bloquer dans la rainure. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous prenez, vous prenez une deuxième série de petites planchettes. Donc la deuxième série, vous venez la mettre au-dessus de la première. Et là, la deuxième série de planchettes, vous allez rapprocher pour que ce soit autour de la tige filetée. Ce qui fait que vous aurez donc une tige filetée avec donc son boulon qui peut coulisser donc sur le guide.
et qui ne pourra pas partir. Donc comme ça, vous faites artificiellement donc une rainure hantée. Hop. Est-ce que tout le monde m'a suivi sur ce coup-là? Dis-moi là, qu'est-ce que t'en penses? Donc là, comme ça, vous réalisez votre guide. Ensuite, donc vous avez cette pièce qui va vous permettre donc de se bloquer le long de ce guide pour couper hein, vos planches à dimension. Donc voilà, j'ai mis une rondelle d'un côté, une rondelle de l'autre côté, et puis voilà, vous avez ce petit bouton qui vient se fixer. Donc je passe mon guide. Hop, je passe tout ça dans le guide. Et je peux le régler donc à la dimension désirée. Hop, je bloque. Et comme ça, je peux enchaîner les coupes. Merci Alain. Donc vous voyez une planche de fond, quatre petites planchettes ici pour réaliser la rainure hantée. Ah, salut Seb Bricole. Donc Seb Bricole qui vient d'arriver sur le chat. Donc Seb Bricole est un bricoleur, en plus il s'appelle Seb comme moi. Hein, donc vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Seb Bricole. Mais aussi il présentera donc aussi sur sa page Facebook, vous verrez qu'il présente des super outils hein, de marque allemande préférentiellement, et puis des super astuces et tutos. Donc n'hésitez pas à le suivre. Alain Delacour. Alain Delacour, lui, il fait la récupération de palettes. Donc suivez-le aussi sur sa chaîne YouTube. Alors Seb, j'explique. Je suis en train de montrer un petit peu le projet actuel, c'est-à-dire le banc de scie hein, pour ma scie anglaise que j'ai totalement créé en bois de récupération. Donc je viens de montrer comment réaliser finalement ce guide avec une rainure hantée. Donc pour la rainure hantée, en fait, j'utilise une planche en aglo, ici, et quatre petites planchettes en bois de récup. Ici, c'est du parquet stratifié. Donc le parquet, je le mets en deux étages. Un premier étage pour maintenir ici le boulon, et un deuxième étage plus serré pour éviter que le boulon s'en aille. Ce qui fait qu'on crée artificiellement une rainure hantée sans outils. Comme ça, on se retrouve avec un guide qui coulisse. Voilà, on peut bloquer et on fait des coupes à la dimension désirée. Alors, autre petite astuce qui nous coûte pas cher. Ben, c'est, on se dit comment faire, voilà, avoir un guide millimétré à mettre donc sur notre guide en bois. Ben, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, vous voyez, un petit mètre premier prix. Un mètre premier prix, voilà, que j'ai trouvé à grande surface, là c'est Auchan, 1 euro. C'est rien, 1 euro. Et donc j'utilise le ruban métallique, voilà, pour avoir un instrument de mesure. Bonjour Onyx, bienvenue. Donc ce ruban métallique, je viens l'insérer ici au-dessus. Donc je vais avoir en épaisseur, j'ai donc mon guide,
j'ai mes 4 petites planchettes. Hop. Et je les découpe de telle manière, mes planchettes, de laisser de la place, ici en haut, pour y insérer donc le ruban métallique. Donc ensuite le ruban métallique, ben je le découpe, tac, et je le règle aux dimensions, ben, à la distance par rapport à la coupe à 90 degrés de ma scie à onglet. Donc classiquement ça se passe comment? Ben, pour le réglage, je mets mon chariot de coupe à n'importe quel endroit. Voilà. Je réalise une première coupe, je mesure le morceau, et ensuite, ben, je viens coulisser ici, donc mon ruban métallique, pour le faire coïncider avec la bonne coupe. Et ensuite, là, je l'ai cloué par-dessus. Ce qui fait que vous arrivez à faire un banc de, du moins, un banc de découpe, là. Un guide de coupe pour quasi 0 euro, 1 euro ici pour le ruban métallique. Merci Alain. Donc ensuite, au-dessus, vous avez le ici l'appui, hein, le chariot de coupe pour avoir la coupe parfaite. Donc j'ai mis un bandeau de plexiglas que j'ai fait dépasser ici un petit peu. Ce qui fait que le bandeau, il vient au regard directement du ruban métallique. Comme ça, je ne regarde que ça. Je regarde pas du tout la pièce de bois, le côté ou quoi que ce soit. En plus, ben voilà, je l'ai coloré un petit peu là, hein, pour qu'on voit directement la bonne coupe. Donc pour réaliser cette petite pièce de bois toute bête là, j'ai découpé des morceaux d'aglo de 19. Pour les fixer ensemble, moi j'aime bien prendre, je sais pas si vous connaissez, c'est le Craig. Le Craig, c'est un outil qui est pratique, qui permet d'avoir donc des fixations solides, et c'est rapide en fait. Moi j'adore. Donc le principe du Craig, ben je l'ai déjà expliqué sur ma chaîne, hein. C'est que en fonction de l'épaisseur du bois que vous avez à percer, vous avez un réglage à faire. Donc c'est indiqué en pouces, hein, c'est américain. Et de toute façon, c'est toujours fourni avec une correspondance en millimètres. Et puis, quand vous avez réglé cette partie, vous venez bloquer donc, votre Craig sur la pièce de bois. Donc là, j'ai une pince étau, en plus, c'est super pratique. Parce que ça se met directement dans le logement. Et vous pouvez venir directement serrer votre pièce de bois. Donc là, je vais vous montrer un trou pour voir ce que ça donne. Hop! Donc je bloque. Comme ça, voilà, c'est fixé. Je peux directement le percer à l'intérieur. Donc pareil, c'est livré avec un foret spécial pour les trous dissimulés, les vis-biaises, avec un coulisseau qu'il faut régler à la bonne longueur. Donc ensuite il suffit de venir percer directement. Donc on va le faire en direct. Vous voyez ici vous avez la poussière de bois. Hop, qui sort. Tac. Et on se retrouve donc avec un trou en diagonale là, dans l'épaisseur du bois,
Et la mèche, vous voyez, elle a commencé à sortir un petit peu de l'autre côté. Ce qui fait que quand vous fixez vos pièces de bois ensemble, la vis, elle se retrouve dissimulée à l'intérieur. Alors Craig, bon, c'est leur avantage, ils vendent leurs propres vis. Donc ça coûte un bras. On les trouve que sur internet. Je les ai jamais trouvés dans le commerce. Je sais pas si vous savez en trouver. Donc moi j'ai trouvé une petite astuce pour justement prendre d'autres vis. Je vais dans une grande surface de bricolage. Oui, c'est comme celui de Volcraft, hein. Effectivement, ces bricoles, ils font la même chose. Je vais dans une grande surface de bricolage et j'achète des vis comme ça, à tête ronde. Hein, l'idée, c'est d'avoir vraiment le plat ici en dessous de la vis. Par rapport, je vais vous en sortir une autre ici. Vous voyez, ici, une vis classique, elle est biseautée. Donc celle-là, elle va s'enfoncer dans le bois. Donc ça, vous allez traverser votre pièce de bois. Et si vous avez une vis avec le dessous qui est plat, là, ça, c'est correct. Donc j'achète des vis, voilà, au détail. Et puis après, pour... Parce que normalement, en fait, chez Craig... Bah Craig il fournit son propre embout, hein, parce que c'est en plus des vis à empreinte carrée. Merci le marketing. Donc empreinte carrée. Bon, pour moi, pour pallier ce problème, bah, j'ai acheté un tournevis. Hop. Tournevis comme ça. Je l'ai coupé et ça me fait donc un truc assez rapide et assez économique. Hop, pour pouvoir venir visser directement. Et ouais. Donc comme ça, vous avez votre vis, vous avez votre embout. Et de manière économique, hop, de manière économique, vous pouvez utiliser le système Craig ou Volcraft. Je sais pas si Volcraft il fait ses propres vis aussi, Seb. Donc vous l'aurez compris, hein. Des vis 16, j'en ai 6. Portative, hein. Portative, j'en ai 6. Ouais, là, il y en a 3 et encore une derrière. Ok, merci Seb. Alors, vous l'aurez compris, hein. Je vais pas le faire là maintenant. Mais c'est assez simple pour vous de monter ce type de choses. Ensuite, on vient percer du diamètre exact, hein. Là, c'est du 6 mm du diamètre exact, donc de votre tige filetée. Et puis comme ça, vous vous retrouvez avec ce chariot qui pourra coulisser et tout à fait précis. Donc voilà l'astuce que je voulais vous montrer aujourd'hui, hein, de ce guide. Ce guide de coupe. Voilà. Alors ensuite, dans les semaines à venir... Je vais avoir d'autres aménagements ici sur le dessus. Donc je vais totalement fermer pour pouvoir venir y mettre des machines. Hein, je pense à ma perceuse à colonne par exemple. Ou à ma station de ponçage. Je pense que je vais installer tout ça ici, hein, pour permettre de gagner de la place. Ici l'atelier est pas très grand. Hein, j'ai 12 mètres carrés à peu près. Il y a 4 mètres sur 3 mètres. Vous voyez effectivement qu'une petite partie, mais tout le reste est en bordel. C'est aussi pour ça que je filme que de ce côté-là. Alors toujours dans l'esprit récup, hein, par rapport
au banc de scie d'origine. Alors à l'origine, on avait ça comme banc de scie. Donc ça, c'est ce qui était fourni avec la machine. Mais je peux rien ranger en dessous, vous voyez, bon, c'est bien pour l'extérieur, quoi, mais dans un atelier qui est plutôt petit, voilà, je gagne pas de place. Donc je vais récupérer un maximum de pièces dessus. Ici, toute la partie électrique, j'ai un bloc électrique ici, que je vais virer, que je vais récupérer, pour pouvoir venir y brancher la machine, l'aspirateur directement dessus. Ensuite, bah, j'ai ici les servantes, que je vais récupérer aussi pour utiliser en extérieur. Voilà. Et dernière petite chose que je vais récupérer aussi. Voilà, c'est... je sais pas comment ça s'appelle, ça. Voilà, c'est ce qu'on avait de chaque côté de la scie. J'en avais un grand de chaque côté et un sur l'arrière pour éviter qu'elle bascule. Donc en fait ça pareil, je les récupère et je vais venir les mettre ici en dessous. Hop. Donc ces pièces là elles pourront coulisser pour maintenir des grands panneaux. En fait avec une scie comme ça à onglet, on peut découper des grandes pièces. C'est-à-dire que vous l'avez tous déjà vu. Bon là celle-là elle est assez grande, elle fait plus de 30. Voilà, si je prends par exemple ce panneau qui dépasse les capacités de coupe, en fait je viens faire une coupe, je retourne le panneau et je termine la coupe. Donc on peut assez rapidement, si on a des coupes simples à faire sur des panneaux relativement larges, le faire avec ce type de machine. Alors pour éviter que les panneaux basculent, donc j'ai eu l'idée d'ajouter donc ces guides là. Je pense que j'en mets un de chaque côté pour faire un appui supplémentaire pour éviter que ça bascule. Ah, des béquilles. Ouais, c'est ça. Bah c'est toi ma béquille, Onyx. Effectivement, merci. Donc je pense que... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que je vais faire ça dans une pièce de bois que je vais percer, que je vais venir fixer ici en dessous. Comme ça, je vais pouvoir venir les coulisser quand j'en ai besoin. Alors, je sais pas si vous avez des bandes scie comme ça que vous avez fait vous-même à la maison. C'est vrai que c'est assez rapide, vous verrez. C'est hyper économique. Et puis ça permet de ranger vraiment pas mal de choses. Les morceaux de bois, j'ai pu ranger directement mon aspirateur. Ben, l'un des aspirateurs que j'ai. Un de l'autre côté. Vous le voyez pas, mais sur ici, juste derrière moi, c'est fait. J'ai pu mettre mon petit compresseur. Tout à portée de main. Alors par contre, hein. Si vous avez, ça c'est ce qui était fourni avec le compresseur. Si vous pouvez, quand vous en achetez un, ça c'est de la merde. Ça s'entortille, ça se prend partout. Le mieux c'est d'avoir vraiment un dérouleur, comme un dérouleur tuyau d'arrosage. Voilà, et donc en accessoire, j'ai donc ce cloueur. Ah, celui-là, le Makita, vraiment, je vous le conseille. Hein, ça fait 3-4 mois que je l'ai acheté. Vraiment, c'est du bonheur complet, ce truc. Avec un tout petit compresseur ici, c'est un 50 litres. Ça marche du tonnerre. Hein, vous voyez le chargement que vous avez. On peut clouer jusqu'à du 50 mm. Donc ça, c'est topissime. Pour fixer toutes les pièces de bois, pour les bloquer, un petit clou de chaque côté, vraiment vous gagnez un temps fou avec ce genre de machine. Voilà, le tuyau, c'est vrai que c'est top, Seb. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein.
Ouais, la maquette, elle est top, c'est vrai. Alors ensuite, il me restera à faire le système d'aspiration. Alors je sais pas si vous avez une idée, moi sur internet j'ai vu des gars qui capotaient carrément hein, l'arrière pour éviter à mon avis les projections de poussière un petit peu partout. Voilà, je crois que c'est qu'ils le font pour ça en tout cas. Donc je sais pas encore, je vais tester différentes choses. Moi j'ai une aspiration donc qui est intégrée ici dans la machine. Ici sur l'arrière. Voilà, qui est pas super bien placé, qui aspire pas non plus énormément. Donc je sais pas encore comment je vais faire. Je vais essayer de faire arriver un tuyau d'aspiration ici, avec peut-être un bac qui va récupérer les poussières. Je sais pas encore. Je ferai différents tests pour voir ce qui fonctionne le mieux. De toute façon, c'est vrai que est plus efficace, mais peut-être encombrant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça risque d'être encombrant. Ouais. Mais je sais pas encore. Je vais faire des tests. Je ferai un caisson amovible pour voir ce que ça donne, si ça prend vraiment beaucoup de place et si c'est efficace. Voilà, surtout. Hein. C'est vrai qu'avec ce type de machine, on prend quand même pas mal de poussière de bois. Hein. Ou amovible. Ouais, c'est vrai que c'est pas con, amovible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il faudrait que... Ouais, c'est pas bête. On pourrait faire peut-être un truc amovible, effectivement, que je puisse cacher sur le dessous quand j'en ai pas besoin. Pourquoi pas? Mais ça, c'est à tester, en fait. Hein. Voilà, les amis. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Est-ce que vous-même, vous bricolez des trucs là en ce moment? Ouais, prochaine vidéo, ouais, pourquoi pas, ouais, ça peut être ça, ça peut être la prochaine vidéo, celle. Et Onyx, que je connais pas bien, Onyx, tu vois, tu es bricoleur, tu as une chaîne. Ok, Onyx, tu viens de quel coin, de quelle région? Parce que ici, c'est pas de Calais. Ah, t'as un meuble TV en cours, Sèvres. Ça m'intéresse parce que effectivement, c'est une chose que je voudrais faire. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu le début de ton meuble. Toi, il est en placo, je crois, hein, avec une structure qui est hyper solide. Alors vous verrez hein, sur la chaîne, moi sur la page Facebook de Seb Bricole. Donc c'est Seb Bricole avec un B en moins, il n'y a qu'un seul B en fait. Vous verrez hein, qui est en train de fabriquer un super meuble TV suspendu, tellement solide qu'il a pu s'y intégrer dedans. Donc Alain, il nous fait une penderie. Super Alain, tu vas nous faire une vidéo là-dessus? Ok, bah c'est top Alain. J'espère que cette vidéo, elle viendra bientôt. Donc moi j'ai ce type de projet que je vais terminer. Hein. Là, voilà, on passe quand même pas mal de temps à faire le montage sur les vidéos, hein, parce que voilà, ce type de projet, c'est quelques heures de film, hein, vous le savez bien. Donc voilà, ça arrivera dans les semaines à venir. Après tiens, la menuiserie du Fait. Ah, ça c'est un super site aussi, la menuiserie du Fait. Ils font des super tutos hein, sur leur page Facebook ou sur leur chaîne YouTube. Vraiment, c'est top. Merci d'être là, Bricolo. Bon, super Alain, j'attends avec impatience hein, la sortie de ta vidéo. Hein. Donc, dans les semaines à venir, ici, sur la chaîne Verpal, vous aurez d'autres tests, d'autres... test produit, hein, j'attends des produits
de chez Bosch et de chez Triton aussi. Donc Bosch, je vais avoir une perceuse à colonne, le modèle PDB40, qui existe déjà depuis quelques années, mais qui est un modèle électronique qui est plutôt sympa. Ensuite, je vais avoir donc une lamelleuse de chez Triton, hein, le modèle TBJ001. Donc ça va être c'est du Bosch vert, la perceuse à colonne. Bosch bleu ne fait pas de perceuse à colonne, étonnamment. Voilà, ça n'existe pas encore. Voilà, donc le modèle PDV40 a plutôt une bonne réputation si on l'utilise pas bien sûr de manière intensive. Hein, mais ça c'est comme pour tous les produits Bosch vert. Hein. Quoique, hein, cette perceuse que j'ai déjà depuis de nombreuses années et que j'utilise de manière très très intensive, n'a jamais souffert. Enfin, bon, la batterie, bon là c'est une nouvelle batterie, mais la batterie d'origine, elle fonctionne encore. Ouais, donc la lamelleuse Triton, effectivement, Seb, ça va m'aider hein, pour tout ce qui est assemblage, à gagner du temps, puisque je faisais quelques assemblages en tourillonnage, de manière manuelle. Donc il faut être assez précis, donc ça prend pas mal de temps. L'avantage avec la lamelleuse, c'est qu'on peut avoir un tout petit jeu. C'est pas gênant, la lamelle, elle rattrape le truc. Et puis ça permet d'avoir quand même des fixations relativement solides. Ça remplace pas tout, mais c'est un complément. Ok, ben tu nous feras un petit retour, Onyx. Onyx, dès que t'as ta lamelleuse, tu peux m'envoyer une petite photo et puis un petit commentaire sur ma page Facebook. Ça me fera un grand plaisir de partager ça. Hein, donc n'hésitez pas, si vous avez des nouveaux outils, des nouveaux tests, vous venez sur la page, on en discute ensemble et puis on publie ça. Hein, donc la chaîne, la page Verpal sur Facebook. Donc pourquoi pas, hein? Une lamelleuse Discount, de toute façon, hein, c'est un moteur qui tourne avec une lame. Le tout, c'est d'avoir une bonne lame, je pense. Et puis que le guide, il soit relativement précis. Hein. Souvent, le défaut des lamelleuses, c'est que le guide est soit pas super parallèle, soit il bouge hein, quand on fait tourner le disque. Donc voilà, mais si tout ça fonctionne bien, pourquoi pas, hein. Oui, j'ai des machines aussi Discount qui marchent super bien, hein. Alors, est-ce qu'on fait affûter nos outils? Moi, personnellement, non. Non, je le dis directement, non. Quand c'est mort, je change. Moi, j'ai mon beau-père qui est artisan. C'est lame de scie, il les faisait affûter. Mais on trouve très très peu de personnes maintenant qui font ça correctement. Donc moi, je fais pas affûter. Je sais pas ce qu'en pensent les autres. Et la menuiserie du fait, alors ils ont des nouveaux projets, des choses à ressortir. J'ai vu que ils font pas mal de chaises Kentucky en ce moment. Donc la chaise Kentucky, pour ceux qui connaissent pas, c'est une chaise qui est fabriquée très souvent par les bricoleurs américains. Donc moi j'en ai fait un modèle totalement en bois de palette de récupération, hein, où il y a un tuto sur ma chaîne, mais il y a un tuto aussi que la menuiserie a fait, pardon. Et puis là dernièrement ils ont sorti une série de 4. Hein, pour un client à mon avis ils ont dû en faire 4 d'un seul coup. Donc c'est sympa comme chaise et franchement c'est hyper confortable. Ça paraît étonnant parce que c'est des morceaux de bois qui sont accolés, qui sont tenus avec des tiges filetées. Et c'est super confortable comme chaise. Moi, je l'avais sorti l'été dernier et tout le monde voulait être dessus. Ah, il fait un escalier. D'accord. En quel
En quelle essence de bois l'escalier, c'est quoi? C'est du hêtre? C'est du bois dur? Pour Dubaï. Ah ouais, d'accord. Les chaises, c'est pour Dubaï? Ouais, c'est la classe Dubaï, effectivement. Hein. On bosse pas encore pour Dubaï, nous. Hein. Nous, on bosse pour notre quartier, nos voisins, nos amis. Chaîne rouge. Ah ouais. Ah, les chaises, c'est pour Dubaï. D'accord. Ok. Bah bon, on n'a pas le niveau, hein, ni l'équipement de menuiserie du fait, mais c'est sympa d'être venu, franchement, ça me fait plaisir. Voilà, on passe un bon moment ensemble. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, hein, mais il est bientôt midi, hein. C'est l'heure de l'apéro, hein. J'espère qu'à l'apéro j'aurai quelque chose à fêter, c'est-à-dire la victoire de Federer. Je sais pas ce que ça donne là en ce moment. Je sais que c'était un match plutôt serré. Ah non, c'est pas fini. Non, ok. Ok, c'est pas fini. Parfait. Ah, d'accord, Federer, il mène 2-1. Ouais, bah, ça va finir en 5-7, hein, c'est clair. Ouais, Irvine. Ok, merci Onyx en tout cas. Bon, bah les amis, voilà, c'était un premier petit direct, sans prétention. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Donc, vous n'hésitez pas, hein, on continue à partager ensemble sur la chaîne Facebook. Si vous avez des projets en cours, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez. Des tests d'outils, ben on partagera tout ça. Voilà. Hein, l'idée, c'est de faire partager à tout le monde les dernières nouveautés et puis nos derniers projets ou tutos. Donc en tout cas, ben moi je vous remercie d'être venu, d'avoir passé ce bon moment avec moi. Je vous dis, ben écoutez, à la prochaine. Je vais aller prendre l'apéro tranquille. Et puis, bon bricolage à vous, un bon dimanche. Et puis à bientôt sur la chaîne Vertpal. Allez, ciao les gars!